Bonjour et bienvenue sur APC Pédagogie. Je vous propose aujourd'hui une solution pour l'exercice 7 de série les boucles JavaScript. Utilisez une boucle for pour afficher la figure ci-dessous. Remarque, dans chaque ligne où chaque ligne contient des 1 et un espace entre les 1, autrement entre les symboles utilisés dans la figure ou dans le traçage du triangle, utilisez la méthode d'affichage document.write élément à afficher. Pour le faire, je vais utiliser comme d'habitude le VS Code et je vais commencer par la structure de ma page HTML5. Donc je vais écrire tout simplement HTML5 et je vais sélectionner HTML5 pour avoir une structure minimal d'une page HTML 5. Donc l'exercice nous dit afficher en utilisant write, document.write. Donc j'ai pas appelé de faire des balises HTML. Je vais passer tout simplement vers le JavaScript, vers le script, avant la fermeture de ma balise body. Donc je vais ouvrir la balise script et je vais créer une fonction que j'ai appelée générer triangle et je vais utiliser une boucle for ici, var i égale à 1, i inférieur ou égal à 10. 10 c'est le nombre de lignes à utiliser, vous pouvez utiliser un autre nombre. Et dans cette boucle, je vais utiliser une autre boucle imbriquée, une boucle for aussi. Et je vais parcourir chaque fois, chaque ligne, je vais parcourir chaque fois. J égale à 1, j inférieur ou égal à 10 et j plus plus. Et ici, je vais utiliser, si le j est inférieur ou égal à i, donc je vais utiliser, je vais écrire le 1 plus espace. On nous a dit dans l'exercice, j'ai ajouté un espace. Ici, l'espace, c'est formule HTML, $NB, SP, c'est la représentation des espaces au niveau de HTML. Puis, une fois j'ai sorti de deuxième boucle, de boucle imbriquée, je vais ajouter un retour à la ligne BR. Donc, je vais utiliser une balise BR pour faire un retour à la ligne. Donc c'est donc il me reste de vous présenter le résultat. Le résultat, voilà, résultat. Ici j'ai coloré les uns avec une couleur bleue. Merci et au revoir.